nos comprenons au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est vraiment une célébration, présentation des résultats de notre investissement au Sénégal, qui est près de 270 milliards de francs CFA dans le nord et dans le sud, au niveau de l'irrigation, réhabilitation des grands systèmes d'irrigation dans le nord, de réhabilitation des routes et aussi un soutien de foncier, et dans le sud, de réhabilitation des routes. Donc, c'est vraiment pour célébrer des résultats, discuter avec les parties prenantes qui étaient impliquées dans la mise en œuvre du contrat pendant 5 ans, vraiment les leçons acquises, le travail qui reste et le soutien des investissements qui vont fournir le pays avec beaucoup d'opportunités économiques dans l'avenir. Le deuxième contact, c'est toute une procédure avec MCC et notre conseil qui est présidé par le secrétaire d'État, Kerry, vont se réunir en décembre pour voir tout le portefeuille et les pays qui sont éligibles pour un deuxième contact. À ce stade, ils vont évaluer comment on a mis en œuvre ce contact. Le gouvernement, le tableau des indicateurs sur la gouvernance, sur l'investissement dans le couple et les réussites de ce contact. Ils vont prendre tout ça avec les autres pays qui sont en évaluation et les résultats vont sortir par les centres. Les chances du Sénégal? Les chances, on ne peut pas prévoir les chances. Sénégal a fait un bon travail avec le premier contact et on va voir, notre PDG était là. Il y a un mois, on a beau discuté avec le gouvernement le travail qu'on a fait et les choses qu'on va voir dans les analyses pour un deuxième contact. Donc, pour le moment, tout est sur analyse. Gracias.